Egunon, Inazio Fatxado naiz, Laminuar de Lantzeko zuzendaria, oso konten gaude hemen lanitia, oandala hiru urte dabaneko hasi gira hemen laminatzen, talde oso ederra eta potentia dakau, Baionako portuan eta Akitanean lanitenak gala. En 2016, ce site a été racheté par le groupe Agnon, qui, eux, accompagnés toujours de Basque Invest et de la CCI, ont fait des investissements massifs pour rendre ce site opérationnel. Il a été installé une nouvelle grue l'année dernière, qui, pour nous, facilite aussi le travail, parce qu'elle décharge plus vite. Et un bateau de 10 000 tonnes se décharge en 2 jours et demi maintenant. Donc 10 000 tonnes d'acier, ça représente 300 brames. Ça représente 300 mouvements de grue. En fait, un laminoir, dans sa globalité, c'est recevoir des brames. Une brame, c'est une plaque d'acier qui font entre 20 et 30 cm d'épaisseur, qui pèse entre 30 et 35 tonnes. De couper ces brames-là, en fonction des tôles qu'on veut produire, de les rentrer dans le four. Une fois qu'elles passent au four, elles sont chauffées rouge. Et ensuite, on les lamine à chaud, donc avec 2 cylindres de lamination. Et derrière sortent des tôles en fonction des dimensions qu'a demandé le client. Donc stratégiquement, on est bien implanté. On est au carrefour de l'Espagne, parce qu'on a beaucoup de clients espagnols. Le groupe Agnon est un groupe espagnol. Du coup, il y a eu des investissements sur le port de Bayonne de la part de la CCI, de la région Aquitaine et du Laminoir des Landes, pour que tout le monde puisse gagner en productivité et améliorer en réactivité.